C'est un bateau fait à la main, c'est un bateau en bois avec une histoire assez particulière quand même. C'est un bateau qui était construit en Afrique du Sud et pour une régate. C'est vieux là, non? C'est un bateau, voilà, j'aime beaucoup comment il était construit, la matière, les soins qui étaient pris dans la construction, c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis très manuel, j'aime bien faire des travaux. Et là, j'entendais souder un vieux fil qui ne veut pas se souder, qui ne veut pas prendre les dents, il est très oxydé. L'idée du collectif, c'est vraiment, ça me touche énormément. Du coup, je trouve que c'est les deux ensemble, pour moi, c'est parfait. Ça. Par l'équipe tunisienne qui est en train de préparer un peu notre venue, aussi en lien avec des pêcheurs. L'été dernier, il y avait un bateau de fascistes, le Sea Star, qui tournait en Méditerranée. Ils leur ont refusé l'entrée au port pour s'avitailler, prendre de l'essence de l'eau. Et les pêcheurs, là, à Zarzis, avaient carrément organisé une manif nautique contre la venue du bateau des fachos. Et c'est ces mêmes pêcheurs qu'on va rencontrer et avec qui on va animer les ateliers. On est en train de prendre des contacts en Sicile aussi pour pouvoir faire quelque chose sur place, quoi, que ce soit, je ne sais pas encore quoi, une projection, rencontrer les gens qui s'activent avec les personnes exilées en Sicile.